Nous sommes couchés en abdomen et dimanche matin, et hier matin. Et puis à 5h17, il y a un bruit étourdissant, un bruit terrible qui réveillait tout le monde dans le domaine. Et nous rendons compte que le monde est réveillé, tout le monde est voisinage. Et à ce moment, nous avons commenté, moi et ma madame, et qui s'est bruit taillé. Nous pensons à comme en face là, il y a Inasa qui a des gros transformateurs. Nous pensons que c'est le transformateur Inasa qui sautait en Syrie. Et nous pensons tout que c'est un tremblement de terre. Et bon, dans l'espace que nous pensons ça, et les voisins nous ont tout dit que nous pensons que c'est un tremblement de terre, qui levait beaucoup ce type de l'eau. Et nous avons commenté dans la fenêtre et dans le téléphone. Et comme ça, dans l'espace de temps, 4 minutes passées, les 5h19, et le bruit a recommencé. Et fois ça, il durait plus de temps. Et la première fois, il a duré 1 à 2 minutes, mais fois ça, il durait 2 à 3 minutes. Et à ce moment, madame pensait que c'est une grosse âme automatique qui a tiré. Et voisin voisins pensaient même bagaille. Et à ce moment, je dis tout le monde couché plat et pas faire mouvement. Et puis, moi-même, tout le monde m'a couché. Je m'assure que je suis dans la chambre de Timonio pour que Timonio soit couché. Et maintenant, environ 5-6 minutes passées, il y a une troisième rafale qui fait. Mais nous pensons que c'est dans le quartier, dans la zone, mais nous n'avons pas pensé que c'est la Kaino, puisque parti devant Kaila qui est un salon avec une chambre d'amis qui est actuellement vide, ils ont coupé de reste Kaila de chambre côté notre. Donc nous étions couchés, nous n'avons pas sorti et nous entendons c'est là que gagne un peu de monde qui est devant, nous entendons un peu de monde qui a parlé devant, nous entendons lui et c'est là ça nous levé. Et pendant ce temps, il y a des amis qui relèvent notre téléphone. Qui dit si nous pas ouais ça qui passait la caille noire et puis ils voyaient en photo et barrière la caille noire sur WhatsApp pour moi. C'est à ce moment vraiment étonné et puis moi passé par DM sorti dehors et pour constater que c'est un véritable massacre et un bagage qui est vraiment horrible que pas t'as qu'à penser qu'il réveille un jour et voir qu'il arrive nous-mêmes, qu'il n'a pas gagné aucun problème à personne. C'est trois rafales et armes qui font tout cas. Trois rafales espacées, et première avec deuxième de 4 minutes, et deuxième avec troisième de environ 5 à 6 minutes. Alors j'ai jamais interprété ça, et la compréhension, mais c'est ça madame moi, c'est ça l'autre voisin, vous pensez tout. Et mon yo fait premier rafale là, il fait comme si pas gagné rien encore, pour bailler mon temps, pour être capable de sortir et venir garder. Et qu'on y a eu vin fait deuxième rafale là en bonne et due forme pour assurer que tout le monde qui gagne dans Kaïsa que yo mouri que pas un monde qui était campé vivant et yo vin fait troisième rafale là pour vraiment et sûr que pas aucun erreur qui fait parce que même mon petit chat il prend balle et dans yeux et chien yo bon comme chien gagne plus flair et chien autre gagne temps météo à la boue. Moi-même, moi pensais, et en pile mon aux alentours de moi-même, pensais même bagaille là, que c'est une attaque officielle. Pour qui ça? Parce que moi, c'est coordonnateur général EPT, projet éducation pour tous. Moi, je travaille dans la structure ça depuis 8 ans, et moi, je suis coordonnateur général depuis 2 ans, et suite à un concours et qui était fait, un appel d'offres, et tu as pile candidat, tu as même des gens qui sont anciens ministres qui candidat. Et puis bon, c'est moi-même qui est passé dans le concours là, qui vient coordonnateur général EPT. Et maintenant, nous mettons un système qui fait que gestion contrat, gestion financement, nous fait pour le ministère de l'Éducation nationale, parce que EPT, c'est un projet ministère de l'Éducation nationale. C'est un projet actuellement, nous gérer 159 millions de dollars pour le ministère de l'Éducation nationale. Et financement ça pour clôturer en juin, mais il y a un nouveau financement qui a rentré. À partir de bons résultats que EPT bail, bailleurs de fonds ont décidé, bons résultats en termes de bonne gestion saine, efficacité, bons résultats, parce que nous avons dépassé toute cible qui était prévue.
et bailleurs de fonds ont décidé de mettre plus comme ni BID, ni Banque mondiale, ni l'autre bailleur de fonds dans le projet. Et dans le comme ça, ils ont mis plus comme tout pour l'alimentation scolaire. Et c'est là l'enjeu, l'alimentation scolaire. Et il y a la Banque mondiale qui a décidé de mettre 30 millions pour l'alimentation scolaire, BID a mis 20 millions pour qu'il y ait plus de monde manger et de monde pauvre manger dans l'école à travers le pays. Et à ce moment, et avant, tu as gagné des firmes monde qui proche du gouvernement qui prend des contrats. Et des fois, ce n'est pas toujours au rendez-vous. Et bon, quand même, on prend des contrats. Et maintenant, comme on connaît, je vous maintenant, on a une rigueur, une transparence qui ne permet pas que ça fait. Et il y a pile de démarches qui sont faites par PNCS, par des gens qui sont dans le cabinet président, proche président, par des députés et sénateurs qui sont intéressés par la question. Ça. Il y a une démarche qui est faite par PNCS avec appui, pour les CEO qui gagnent gestion. Financement ça. Ok, comment on fait des marches ça? Vous venez voir personnellement, vous dites vous besoin XX contrat? Vous faites réunion avec bailleurs de fonds et des fois, moi, bailleurs de fonds sont invités dans la réunion, participer dans la réunion pour insister, il faut que c'est eux-mêmes qui gèrent les fonds ça. Et puisque ça n'a pas marché, bailleurs de fonds ont besoin de bonne gestion, ils ont besoin de transparence et ils n'ont pas d'accord. Et à ce moment, ils ont fait une tentative pour remplacer comme coordonnateur général de PT. Et jeudi, moi j'étais dans une réunion côté que moi j'ai une information claire sur ça que en décision pour remplacer le PT, j'ai regardé procédure de recrutement et coordonnateur général pour le PT. En réalité, et d'après l'information que j'ai le président voyant mon pour remplacer et disons président ça parce que pas un contact avec président, pour information que j'ai le président ça voyant mon pour remplacer et premier ministre, je me dis plutôt primature là, parce que je ne vais pas le faire dans sa map dit, primature là, vous voyez au monde tout pour remplacer. Et maintenant, c'est le ça qui vient rendre compte et que ce poste-là, ce n'est pas un poste nominatif. Donc il y a une procédure assez compliquée avec les bailleurs de fonds comme observateurs, comme superviseurs, qui assurent que le recrutement fait en bonne et due forme pour bonne gestion de fonds. Et maintenant, les gens rendent compte que ça n'a pas fait comme ça, et que la procédure est déjà compliquée, et que pas qu'à mettre le monde comme ça, c'est à ce moment que je viens de gagner ça comme réponse. Parce que je suis dans ça jeudi. J'ai son réunion qui était faite jeudi matin à 9h30. Et puis bon, je suis dans la réunion, je vais expliquer à madame et frère. Madame m'a dit bon, comme ils rendent compte que ça n'a pas retiré comme ça, pour mettre sûr que vous pouvez faire violence. Et c'est ça, madame, vous pensez, et vous pouvez partager ça à plusieurs amis, tout. C'est le même commentaire que vous faites. Vous pensez que vous avez un combat qui va passer. Moi, je pense sûr que vous avez un combat qui va passer. Moi, je pense que vous avez une prévocation arbitraire, un combat comme ça. Même, je ne pense jamais à violence du tout. Et... procédure, là, pour mettre un coordonnateur général et EPT qui s'allie. Premièrement, moi-même, comme coordonnateur général, c'est un mandat que j'ai qui c'est pour 3 ans. J'ai 2 ans déjà et j'étais 1 an. Et le contrat est automatiquement renouvelable sur base d'évaluation de performance. Et maintenant, pour recruter le coordonnateur général, il faut qu'il y ait un appel d'offres qui dure pour au moins 1 mois dans tous les journaux, dans tous les médias, y compris sur le système international. Là. Et pour tout le monde qui est intéressé poser candidature, il faut qu'il y ait un jury qui monte, qui gagne la donne des observateurs, des représentants des bailleurs de fonds, des partenaires techniques et financiers et de l'éducation comme et observateurs. Donc c'est un recrutement qui est assez strict, assez sélectif. Et on dit que tu as essayé de parler avec des responsables de la BID, de la Banque mondiale, et institutions qui n'ont pas souhaité changer les procédures, n'ont pas souhaité que c'est les autorités haïtiennes qui gèrent le fonds. La question, c'est que on connaît le bailleur de fonds, souvent il y a des conditions dans le don que y a un pays. Il voulait assurer que. Donc ça va utiliser exactement pour ça le bailia et que ça faut un résultat qui baille, faut un bon genre résultat. C'est ça qui est question. Et maintenant, et nous t'es fait sortir dans une mission Washington, j'ai été invité ministre d'éducation avec pour j'ai éducation pour tous, c'était Banque mondiale avec partenariat mondial pour l'éducation
suite à la mission, il y a un article qui sort dans Washington Post sur ça, dans Novelis, et qui écoutez, la Banque mondiale a déclaré que nous avons une meilleure unité de gestion de fonds que nous avons dans toute Caraïbe et dans toute Amérique latine. Et nous félicitons, félicitations pour ça, parce que tout audit nous avons audit chaque 6 mois, il y a une supervision, une vérification de la Banque mondiale régulièrement. Tout audit nous, c'est zéro faute. D'accord? Et parce que dans l'unité, même pour fêter l'anniversaire au monde, ces cotisations, nous faisons pour faire, parce qu'il n'y a aucun centime qui a détourné. Et à ce moment, les bailleurs de fonds croient que la gestion est bonne et que l'OTA remet que le financement qui a augmenté, la Banque mondiale qui a un financement de 150 millions de dollars sur Haïti, les décidés mettaient 260 millions de dollars. Et là-dedans, et en bon parti là-dedans pour l'éducation. Ça a fait au total combien comme? Et BID est décidé pour mettre 150, qui est un des tranches de financement de 50 millions pour l'éducation, décidé de mettre 150 millions pour l'éducation. Et il y a un autre bailleur, tant que Banque de développement de la Caraïbe, tant que Partenariat mondial pour l'éducation, etc., il y a un autre toujours, qui décidé de mettre plus comme. Parce que la gestion a gain confiance là-dedans et le fait à toute transparence est bonne. Et c'est à ce moment que il y a un monde qui proche pouvoir qui est même intéressé à la gestion financière. Vous dites attaque officielle et ou même ou sont fonctionnaires de l'État, c'est des accusations et extrêmement graves. Qui est-ce qui est venu parler avant qui m'a donné démission? Si vous comprenez, j'en ai parlé à moi-même, je suis adoué. Et démissionner sur le champ. Comme moi connais, moi pas fait rien, moi pas de problème à personne, et pas démissionner. Mais si peut-être demander une démission clairement, on a exactement une démission clairement, mais tu es capable peut-être d'envisager ça, mais ça pas te poser. Alors, moi dis que c'est une attaque officielle parce que avant ça arriver, il y a un pile bagaille qui t'a parlé et il y a une réunion qui t'a fait pour participer dans yo. Il y a un pile de démarches qui fait pour gagner gestion financement. Et qu'on y a, il paraît évident que c'est un mandat qui gagne et qu'il y a une urgence tout de suite pour accaparer de gestion financement, ça y est, il paraît évident que la solution c'est éliminer pour être capable de nommer un monde à y en attendant dans le poste là. Et souvent quand je dis à premier monde qui était venu voir est-ce que des ministères de moi pas les dit qui officiellement été rencontré, moi j'ai été rencontré des officiels haut placés et c'est pas c'est des monde de bien, c'est pas monde qui ni hostile à eux, c'est des monde qui extrêmement satisfait de gestion, ils ont seulement informé de situation et ils ont été et bien qu'on ait procédure et parce que l'exécutif a besoin qu'on ait procédure de recrutement et un coordonnateur général pour recruter. Mais est-ce que ça suffit pour accuser des officiels parce qu'on dit attaquer les noms sont attaques et officiels et peut-être c'est parce que l'autorité n'est pas satisfaite de travail ou de ce échange. Si on prend chaque bagaille isolément, il n'y a pas suffit pour contre yo, pour corroborer une hypothèse comme ça. Mais là, on colle tout ensemble. Toute réunion, toute démarche qui fait de bon côté bailleur de fonds, pour gestion de fonds, pour ses proches pouvoirs qui gèrent le financement, là, on colle avec ça toute démarche qui fait pour remplacer dans position. Et là, on colle avec ça prise de connaissance, procédure de recrutement. Et coordonnateur général, là, l'on les trois bagages à l'eau et où Vingade, ça paraît très évident pour moi-même. Et ça va bien passer dans la tête où vous dites la vie parle, la vie famille, c'est ça le plus important. Et que vous me faites chier, par exemple, là, depuis 48 heures là, vous dites que si le monde est capable de faire des attaques comme ça, et les prochains jours, on est capable de pire. Puisque, par contre, nous même pas remarqué la caillou que vous avez des agences de sécurité. Non, nous-mêmes, c'est des gens qui vivent, tout simplement. Moi-même, mal fait marcher Salomon, marcher Quabossal, et nous vivons très simplement. L'argent nous rentrait, nous aidait un peu le monde, et à travers le pays, nous sommes de la tortue.
y a plusieurs gens qui m'ont aidé à l'école. Il y a mon Jérémy, il y a mon plusieurs côtés dans le pays. M'ont aidé à l'école, moi-même, madame. Donc, c'est pas moi qui est dans grand-papa, non pas dans vite machine, non pas teinté, non pas dans agent de sécurité, non pas vivre comme ça. Et alors, oui, moi-même, c'est ça que fait justement moi besoin que rencontrer l'autorité au plus haut niveau de l'État pour me partager information avec eux, pour partager information avec nous tous, pour échanger information avec eux, pour m'essayer de comprendre ce qui a passé et pour dire tout qui décision à prendre, qui ça a fait. Pour moi-même, à fond de moi, nous continuer à vivre dans le pays, non, et pour nous pas contribuer à développer le pays. On dit que ça, un grand enjeu, c'est mais foyer, bien sûr, mais c'est de ces cantines scolaires. C'est surtout de ces cantines scolaires-là, parce que sous gestion de l'autre foyer, pas bien trop enjeu. Et mais sous cantine scolaire là, c'est des contrats de plusieurs millions de dollars. Et là, et si on filme, parce que dans la cantine scolaire là, c'est un bagage qui est très sensible. Par exemple, et dans la cantine là, nous devons bâtir chaque petit monde 1200 kcal. Majorité des opérateurs qui ont fait la cantine là, ils ont bâti entre 100 et 300 kcal par jour. Ça veut dire, ouais, si on a pris un contrat dans la place pour bâtir chaque petit monde 1200 kcal, les bâtiments entre 100 et 300 kcal, ou qui valeur richesse mon sac à faire sous deux mon équipe pour vieux. Et donc, gestion cantine scolaire sont pareils qui est extrêmement sensible. Et nous-mêmes, nous mettons un système extrêmement perfectionné et compliqué pour assurer tout suivi cantine scolaire pour assurer nos bail. Nous avons engagé des firmes de vérification indépendantes, nous avons un centre d'appel qui relaie régulièrement l'école, parents, élèves, direction de l'école. Pour assurer que le service là de qualité, pour nous-mêmes contrôler qui quantité manger qui allait dans la chaudière, pour nous sûr que la ration de tout le monde est venu, que tout le monde est venu, que fruits, les jeunes et légumes, les jeunes toutes vitamines qui sont nécessaires, les jeunes vitamine A, les jeunes vermifuges, pour les capables et vraiment bénéficier de l'alimentation scolaire. Ce que aucun autre opérateur sur terrain n'a pas fait. Moi, j'ai un seul cas. Quand c'est Haïti, et tout ça m'a fait dans la ville, tout ça m'a défendu, c'est intérêt Haïti. Alors ça fait que moi-même, moi c'est représentant l'État haïtien auprès de bailleurs de fonds. Ça veut dire auprès de bailleurs de fonds, moi j'ai pour me défendre intérêt Haïti. Donc, question ça, pour moi-même, c'est une question interne, c'est une question pays. Moi, pas besoin aucun bailleur de fonds mêlé dans l'insécurité qui est créée par pays, paraît-il par propre autorité dans le pays, que je représente, que je défends l'intérêt. Moi-même, je voulais que responsable dans l'État, président, premier ministre, directeur général police, je voulais que vous preniez responsabilité. Que vous dites, ça a fait avec nous. Avec moi-même, à 4 timons petits, je suis 2 ans, 8 ans, 10 ans, 14 ans, avec madame, moi, il a dit non, nous fait choix. Pour nous arrêter dans le pays, nous, et me passer en pile tracas avec tout compte exemple qui gagne dans le pays, pour toujours faire le tour du pays à Timounio, pour m'apprendre à mes pays, pour m'apprendre à solidaire à monde qui n'a nécessité. Et puis, pour c'est ça que nous avons récolté. Moi, j'ai besoin que le responsable ça vous dise qui ça a fait avec nous. Pour sécurité, nous, pour nous continuer à vivre dans le pays. C'est ces bailleurs de fonds qui payent ou bien c'est l'État ici? C'est bailleurs de fonds qui payent. Marie ici, moi fait 5 spécialisations. Moi étudié dans l'université ici et moi fait plusieurs spécialisations à l'étranger. Au total, moi fait 5 spécialisations. Moi étudié Cuba, moi étudié en Suisse, moi étudié en Afrique, moi prends formation au Canada, moi prends formation en France et moi formé pour me servir pays. Et c'est ça m'a récolté. Ou quand la caille moi, ou quand qualité de vie m'a vivre, nous vivons très simplement. Nous pas monde qui gagne corps. Nous c'est monde qui a dit qui ca vivre tous les jours. C'est comme ça nous vivons. On t'a même connaît pour qui ça. Ça qui a passé et qui ça a fait. Ma, comme d'habitude, m'a toujours été très honnête. Et des fois on m'a dirigé un pays, monde qui proche a fait un série de bagarre extrêmement grave ou pas même au courant. On pas capable accuser ni président ni premier ministre ni responsable de la police là directement, mais c'est très clair que c'est moun qui proche. Moun nan PNCS, moun nan Palais National,
député et sénateur qui est intéressé par le propre continent scolaire, c'est très clair que c'est de là que ça sortit. Pourquoi parlez-vous de la police nationale? Bon, en tout cas, c'est étonnant. Toute buis ça y est, toute rafale ça y est qui fait, et à trois reprises, commissariat canapé vert là, c'est voisin. Moun sorti juste en tête canapé vert, juste en tête toujours, par curiosité, vient regarder ça qui a passé. Commissariat canapé vert, pas jamais venu. C'est contact personnel qui fait parquet, juge de paix, à le point commissariat canapé vert qui fait venir après environ 3 heures de temps que bah, la fin arrivée. Et DCPJ, malgré toute démarche qu'ils ont même fait, vient arriver après plus de 3 heures de temps. C'est étonnant, c'est triste. Et tout le monde dans le gouvernement, dans la police, tout le monde que je bien avec eux, moi texté, moi serré, je n'ai pas joué aucun retour ni aucune réponse. Le ministre de tutelle, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Et nous connaissons à Paris actuellement là pour aller participer à une réunion importante UNESCO. Et est-ce que vous arrivez et entrez en contact avec elle, l'eau dans le téléphone? Et oui, actuellement, il est à Paris, il est participé dans l'Assemblée générale de l'UNESCO et automatiquement, il est à prendre ce qui passe là, il relaie moi et il a contacté plusieurs fois et il dit qu'il a essayé de contacter ni le Premier ministre ni le Président, il n'est pas arrivé à joindre et il a continué et il relaie et il a exprimé toute sympathie et toute solidarité là-bas. D'ailleurs, c'est un monde que moi habitué à enseigner longtemps dans la même école à Velle depuis plus passé 30 ans. Et non, c'est mon même zone, moi c'est mon île de la Tortue, et c'est mon Saint-Louis du Nord. Et c'est un monde qui est de bon commerce, qui a une très bonne réputation comme un monde de bien. C'est seul dirigeant pour l'instant qui parle avec. C'est seul dirigeant qui parle avec. Et il est difficile pour parler avec le président de la République, il est difficile pour parler avec le premier ministre, mais il y a des chefs de cabinet, ou même dans le poste où il y a des téléphones, ou pas qu'à dire où en difficulté et que ou besoin pour y fonds nous, pour tout sécurité. Directeur cabinet, président, c'est de bonnes connaissances, c'est non habitué. On t'a quand même dit à la limite dans ses amis. Et me voyez plusieurs messages et sur le téléphone. Bon, peut-être dit beaucoup de messages, mais j'espérais que la voie et puis la contacter. Et un fait est certain, moi besoin de rencontrer le président, besoin de rencontrer le premier ministre pour nous comprendre ce qui a passé et surtout pour nous connaître qui ça a fait avec sécurité, moi-même avec le premier ministre. Ou c'est un haut fonctionnaire de l'État, mais il se trouve que c'est dans l'institution internationale qui paye au salaire. Et est-ce que la première responsable BID, responsable Banque mondiale, il y aurait l'autre témoigne de solidarité, qui ça a fait après au fin d'année et que le caout est l'objet de l'attaque armée? Moi, en contact permanent avec responsable BID et Banque mondiale, ni ici, ni Washington, et l'autre bailleur de fonds retour, il y a RILEM, il y a exprimé solidarité ensemble avec elle, et il y a suivi de près et qu'est-ce qui a passé. Vous dites, petit ou madame Mou, il y a couvert. Supposé, il n'y a pas de l'école. Non. Petite, moi, il n'y a pas de l'école. Non, on a caché. C'est parce que moi, j'ai un rendez-vous avec. Ici, il y a qui fait, moi, j'ai quelques amis qui couvrent quartier, qui fait mon cabinet. Mais combien de temps vous pensez que vous êtes capable de faire comme ça, si jamais l'autorité, vous-même, d'ailleurs, vous n'avez pas venu en aide à vous-même? Pas qu'on est marie ici, non. Mais madame, nous avons une lucidité nécessaire pour nous chiter à réfléchir, pour nous connaître ce que ça n'a fait. Et d'ailleurs, matin, nous avons un rendez-vous dans le bureau du juge de paix qui a fait constat, pour m'a fait déclaration. Nous avons un rendez-vous dans le DCPJ, mais puisque nous n'avons pas aucune autorité qui planifie aucun système de sécurité pour moi, je ne vais pas capoter tête comme ça à aller. Donc, insécurité ça qui est autour de moi. Donc, maintenant, pas comprendre qui ça m'a fait. Timonio, qui j'ai oublié. Timonio, excellent. Timonio, extrêmement traumatisé, madame Mouette. Mais, je vais expliquer là, vous pensez que c'est notre job moyen. C'est ça que nous avons dans notre c'est clair que c'est job moyen parce que ça a parlé, il y a un pile qui t'a parlé déjà. Et par exemple, il y a un monde qui est dans la structure, moi, dit là,
qui dit à plusieurs autres monde et qui rapporte ça que il dit à mettre tout poids dans balance là par tous les moyens et à retirer dans tête de pété.